Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec mon pote Lolo. Et puis, on va relever un petit défi. Et ouais, on a choisi de faire Instagram contrôle notre gym. Donc, le concept, je vous explique. Donc, en fait, on a 6 agrès. Sur ces 6 agrès, vous allez en choisir 3. Ok. Et sur ces 3 agrès, on va faire un petit sondage derrière sur quels vont être les éléments qu'on va réaliser ou pas. Trouver des éléments qui vont être réalisables, mais qui sont quand même un petit peu difficiles. Étant donné que Kev et moi, on n'a pas vraiment le même niveau. Ouais, le mec, il est un peu au-dessus quand même, tu vois. Du coup, on va faire un sondage pour moi et un sondage pour Kev. Voilà, du coup, on vous mettra deux éléments. Donc deux éléments qui me correspondent plus et deux éléments qui correspondent plus à Loris. Ouais, vas-y, go mec. C'est parti. Allez. Sur les 6 agrès, vous choisissez 3 agrès. Donc, soit le sol, les arçons, les anneaux, saut de cheval, barre parallèle et la barre fixe. Bon, on va regarder ces petits résultats, alors ça donne quoi? Donc, réponse. Ouais, quand même. Soit sol fixe, soit arçon anneau, sol barre fixe. Barre fixe, barre fixe. Voilà, barre fixe, c'est barre sûr. Barre fixe, barre fixe, barre fixe, barre fixe, barre fixe. Sol, fixe sol, ça c'est sûr. C'est pas cool, hein, franchement. Barre fixe. Barre fixe, on déteste. Il va falloir s'envoyer sur des lâchers, champs. Vous avez été nombreux à choisir sol, saut, fixe, ce qui nous fait un peu chier quand même, la barre fixe. Ouais, la barre fixe, c'est chaud. Puis sol, saut, moi, faut que j'enchaîne quand même sur les jambes. Ça, ok. Du coup, ben, on va vous mettre un petit sondage pour savoir les éléments que vous voulez qu'on fasse. On va commencer au sol. Du coup, tu fais quoi, sol? Je pense que je vais faire un petit zapata et un petit full tendu. Ça peut être pas mal, ça, je pense. Ok. Et toi? Moi, full tendu ou double en quart de demi-tour. Allez, à vous de choisir. Zapata. Et pour Kevin, 25 full tendu. Vas-y, les doubles carpés, là, demi-tour, là, ce serait bien d'appuyer dessus, là. Hein? On va attendre encore un petit peu. Il va falloir protéger la chute, parce qu'en ce moment, ça tire un peu. Il y a la strapée. Ouais, je suis un peu robocop en ce moment, entre le genou et la cheville. Hop là! Ça va envoyer du full tendu ou pas? Ça va envoyer du zapata, très fort. Serré, hein? Moi, c'est très serré, ouais. Mais là, on a dit 15h30, on arrête. Hein. Et pour toi, sans l'appel et sans moi, full tendu. Bon, allez, c'est parti. Allez, let's go! Presque. Putain, j'ai fait deux essais là, c'est pas passé. C'est plus comme avant, avant c'était plus facile. Hey là, ce mec il est trop puissant les gars. Il a une coupe de cheveux de merde mais il est trop puissant. Mais bon, je vais me laisser un troisième essai parce qu'après ça va faire un peu trop. Vu que derrière il y a le saut. Je donne tout sur le troisième. Et après, basta. Moi j'ai raté mon défi, hein. Je suis pas arrivé de vous, mais bon, j'étais presque. Ce sera pour la prochaine fois. Moi j'ai réussi mon défi. Ouais, le mec. On peut éviter les Kovacs, hein? Ah ouais, ouais, ouais. Eh, on veut plus de votes pour Tchoukarin, s'il vous plaît. Allez. Kovacs, non, s'il vous plaît. Là, là, votez ça, 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 ça. C'est quoi le délire, les gars, là? Comment on fait là? 82-82, comment on fait là? Eh, faut voter en direct là. Allez, actualise. Coucou! Ah. Oh non! Comax. Jacques, va falloir monter à la Protec. Ça va, t'as encore 2-3 minutes là. On va se préparer mentalement parce que c'est chaud. Thank you.
conclut l'ouverture en bas. Pour les travers, hein. Bouche sèche, main tremblante. Mon cœur qui bandit, laisse tomber. Allez, allez. Concentration de Kevin Dupuis. Vas-y, la prochaine, c'est la bonne. C'est bon ça. Non, la groupée, ça suffit. Je lui ai mis la pression. Ah ouais, la pression. Dernier essai pour moi. Parce que là, je commence à avoir vraiment très très peur. C'est pas grand chose en soi, Kovacs, pour le monde de la gymnastique, mais pour nous, c'est. Pour les amateurs de barfix, c'est rien du tout, mais pour nous deux, c'est. C'est un très grand pas. Oh mec. Bien, oh, putain. On a réalisé notre petit défi, donc c'était cool. On a... Du coup ça, hop, belle, voilà, fini. On n'y retournera plus. Puis maintenant, vous allez voter pour le saut. Donc moi c'est soit double vrille ou l'une double avant. Toi Lou. Moi soit une double vrille et demi, soit tout. Alors pour le saut, toi tu dois faire des lunes doubles. Ok. Et moi je dois faire un tout. Ok. Eh là, ça va être chaud, mon gars. Ah ouais, ça va être putain de dur là. T'as vu l'heure qu'il est en plus. Ça va le faire. Allez, on se motive. Ça va être, je ne sais pas comment. À tout moment, c'est sur la tête ou c'est réussi. Mais non, ça va le faire. Fort. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Allez. Oh. Bon, allez, défi réussi quand même. Ouais. Allez. À Kevin maintenant. Par le petit tremplin, rectos. Je suis cuit. Ça se voit, hein. Plus d'essence là, c'est. Il me reste un passage. Je vais tout donner. Et je suis cuit. Bon, défi réussi. Bon, qu'est-ce que ça dit là? Ça dit que tu perds des cordes, hein. Voilà le petit défi muscu. Donc, c'était soit 3 cordes enchaînées, soit 15 muscle up aux anneaux. Et donc, vous avez voté. Il y en a 65 qui ont voté pour 3 cordes enchaînées et 56 pour 15 muscle up aux anneaux. Donc, on va envoyer, hein, les petites cordes. Les petites cordes, donc c'est celle-là que vous allez voir. Avec les pieds ou sans les pieds? Franchement, on est vraiment trop KO. Oh, mine de rien, un élément par agrès, même si on a fait que 3. Bon, on vous a pas dit, mais au final, on a fait 6 agrès, hein, parce qu'entre temps, on a quand même bien bossé. Mais ça puise, mentalement, ça puise. Bon, là, on va faire un petit pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pour savoir qui commence à la corde. Pierre, feuille, ciseaux. Yes. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making. Hey Kevin. Allez, tire. Oh, il met des pieds. Music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Oh, ah, j'ai mal au mât, j'ai mal partout. Putain, mais pourquoi on a mis 3? Je te jure, la deuxième, je ne peux plus. J'ai...
Eh, bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Allez, on sort les muscles. On va aller jusqu'au tour. Bon voilà les amis, fini cette petite journée. Grosse journée même. Ouais. Une petite journée, très grosse journée. C'est clair. Franchement, on s'est vraiment donné. C'est vraiment cool parce qu'au final, ça nous a donné une bonne émulation. On était deux, du coup, c'était vraiment top. Dans les jours un peu compliqués, faire ça, franchement, c'est top pour la motivation. Par exemple, j'ai refait des éléments, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait. Du coup, ça permet de remettre un petit pied dedans, donc c'est cool. Notamment la barre fixe, hein. Ouais, c'est notre agréable préféré. Franchement, c'est vraiment bien envoyé, donc c'est top, c'est top. Puis après, voilà, encore beaucoup de travail. Moi, personnellement, je sens que ça revient, mais il faut encore bosser à l'entraînement pour vraiment être au top. En tout cas, voilà, tenez à vous remercier parce qu'on a passé vraiment un bon moment. Ouais, si vous aussi, dans les commentaires, si vous voulez qu'on fasse un peu le même style avec d'autres personnes. Et puis, bah, vu que c'est Noël, on a quelque chose justement à vous annoncer. C'est-à-dire qu'on va faire un petit tirage au sort. Et du coup, la personne qui sera vainqueur de ce tirage au sort aura le droit à un t-shirt France et un léotard France. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. À partager au max aussi. Et encore merci. Hein. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Yes. Pour participer au tirage au sort, c'est très simple. Abonnez-vous aux deux comptes Instagram ainsi qu'à mon compte YouTube. La photo que vous voyez sur votre écran va être directement publiée sur Instagram. Vous avez juste à liker et taguer 3 personnes en commentaire. Le tirage au sort se fera le 24 décembre à 18h, donc ça vous laisse tout le week-end pour participer. Bonne chance à vous et joyeux Noël!